Med Mehdi Hassan a dit à l'âme de mon cher ami Francis Leclerc. La mort est le poète. La mort s'est hasardée bêtement une fois à prendre l'âme à un grand poète renommé. Elle l'abattait d'une hépatite de foie, mais elle s'étonne car le poète persistait. L'âme rebelle vivait encore, le corps des choix. Pourtant son œuvre géniale ne s'arrêtait pas. Elle s'en allait, son âme, sage et féconde, disant des poèmes pour refaire les légendes. De ces mots fouettards qui éveillent les sens, haranguant la foule et huant les sentences, à faire rougir les despotes tyrans les plus forts, et narguant de ses blâmes le peuple qui dort. La mort honteuse se dit, qu'avais-je fait moi? Mon cible mortel est encore en vie, je crois. Moi, voleur de la vie à quiconque me plaît, cette fois, c'est l'échec. J'ai peut-être échoué. Poète qui aspire à la vie éternelle n'a pas dû avoir peur de la mort cruelle. Son œuvre lui garantit la continuité tant qu'il a semé. Bientôt, il va récolter. La mort s'éclipse en voulant à jamais finir la vie d'un poète meilleur qu'un riche émir, car les émirs se reproduisent en pagaille, mais les poètes, eux, sont de très rares merveilles. Vous étiez à l'écoute de Yasmine dans un texte de Med Mehdi Hassan.